Alors avant CLEPS, j'ai réalisé un court-métrage qui s'appelle Mokhtar, qui est l'histoire d'un petit garçon qui soigne un bébé hibou et qu'il ramène à la maison. Mais son père est superstitieux et c'est au Maroc aussi. Le hibou est parfois perçu comme un animal de mauvais augure. Donc ce court-métrage m'a permis d'abord de voyager dans beaucoup, beaucoup de festivals et de rencontrer le public. Et c'est vraiment ce film qui m'a donné envie d'en faire beaucoup d'autres, en fait. Voilà. Et j'écris aussi de la fiction et je suis aussi en train de continuer mon parcours vers d'autres documentaires d'observation comme CLEPS. CLEPS, quand j'ai eu l'idée pour CLEPS, c'était une photo que j'ai vue sur Internet, sur la page du refuge Sarah Morocco. Et en voyant cette photo remplie de chiens avec aucun espace vide autour d'eux, j'ai tout de suite trouvé ça très, 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 très beau. J'avais jamais rien vu de pareil et j'ai eu envie de les filmer. Et donc, comme je connaissais la responsable, Michelle Hausberger, la responsable de ce refuge depuis des années déjà, parce que j'avais eu affaire à elle quand je cherchais pour Mokhtar, justement, des chats sociables pour une scène. Elle m'avait aidée à les trouver. On était restés en contact depuis. Et j'ai eu carte blanche de sa part. J'ai eu vraiment carte blanche. Elle sait à quel point j'aime les animaux, les chiens. Elle m'a aidée à en sauver quelques-uns des rues du Maroc. D'ailleurs, j'ai ramené un chien des rues, comme vous avez vu dans le film, à Montréal, chez moi. Voilà. Donc, c'était une belle aventure, un coup de cœur entre deux personnes et puis un très beau moment de tournage. C'est vrai qu'avec Mokhtar et le bébé hibou et CLEPS avec les 750 chiens, on pourrait croire que j'ai une sensibilité pour le monde animal. Et en fait, la réalité, c'est que c'est un peu par hasard. C'est des sujets qui viennent me chercher comme ça, mais je pense que ce qui est vraiment le moteur de ces deux films-là, c'est plutôt le sentiment d'injustice que je vais ressentir de ces deux films. C'est ça qui vient plutôt me chercher et qui me donne envie de faire ces films jusqu'au bout et avec beaucoup de passion. Quand on arrivait le matin, on était juste deux. Anna Coulet, la directrice photo, et moi, au son. Et quand on arrivait chaque matin là, enfin d'abord le premier matin, moi je les aime vraiment les chiens, mais 750 c'est quelque chose. Et du coup, il y en a 750 qui aboient, il y en a 750 qui vous reniflent, il y en a 750 qui battent de la queue. C'est très, c'est étourdissant. Et du coup, au début, je bougeais à peine, j'avançais tranquillement, je faisais pas de mouvement brusque. On se posait dans un coin, on a passé la première journée à observer tout ce beau monde autour de nous. Et petit à petit, en plus j'avais une caméra, une directrice photo géniale. Anna est très calme, elle a très confiance, elle adore les chiens, c'était la personne parfaite avec qui faire ce film. Et jour après jour, voilà, on était de plus en plus à l'aise et on avait en permanence un groupe de 30 chiens qui nous suivaient partout dans le refuge, ce qui mettait un peu au défi la hiérarchie hyperterritoriale entre les chiens, donc ça créait des fois un peu de la bisbille à droite à gauche. Donc on devait faire preuve de beaucoup d'autorité quand même et de ne pas se laisser impressionner en fait par les chiens qui, eux, répondent à leur instinct et c'est tout. Mais en fait, ils nous aimaient et on les aimait, quoi. Tous ces chiens, la plupart d'entre eux, voulaient absolument, absolument qu'on les ramène avec nous, qu'on les adopte, quoi. Ils ont envie d'être aimés, d'avoir un maître, quoi. C'est,
C'est comme ça que ça fonctionne. Et on a vu qu'à chaque fois, il y en avait qui s'arrangeaient pour être de plus en plus proches de nous, pour être certains qu'on les remarque. Il y avait de plus en plus d'engouement quand on arrivait le matin. C'était assez beau. C'était assez triste aussi de repartir. Anna et moi, on s'est rencontrés au Festival de Toronto. On a tout de suite cliqué et elle devait tourner un film avec des chèvres en Italie. Elle avait déjà un équipement de prêt. J'ai juste proposé le film, elle a accepté. On est parti au Maroc quelques mois plus tard. C'est un film qui s'est fait vraiment dans l'urgence, sans beaucoup de préparation préalable avec à l'écrit. On a vraiment été sur place. Et puis, on avait évidemment, moi j'avais des idées, j'avais un plan, je lui ai parlé d'un plan à Toronto, je lui ai dit, regarde, moi je vois cette image, et puis on est allé la faire. Et puis on en avait quelques-unes d'autres, et puis après, chaque jour on observait un peu plus la routine des chiens, et on avait ce loisir de pouvoir revenir le lendemain et refilmer des plans, en fait, encore mieux, de meilleure façon, avec un meilleur angle, etc. Donc on a vraiment exploré en profondeur le lieu. Et puis, on se sentait chez nous, en fait. On était vraiment à l'aise et elle est très talentueuse aussi, donc ça aide beaucoup. Le moment où j'ai vu cette photo de ces chiens sur Facebook, j'ai aussi eu, mais probablement de manière inconsciente, ce sentiment désagréable d'impuissance face à toutes les crises qu'on vit actuellement dans le monde. Et je pense surtout à la crise migratoire et des personnes déplacées, placées dans des camps, sans avenir, sans vie digne. Et puis une fois que je me suis rendue sur place, c'était évident que le visuel, tout ça me rappelait énormément les comportements des chiens qui reflétaient beaucoup les comportements humains. C'était assez clair que cette métaphore s'imposait et avec Feng Shi au montage, qui est la monteuse fantastique du film, on a ensemble structuré le film comme ça parce que je pense que c'était vraiment le commentaire que j'avais envie de poser depuis le début. Le public, il est étonnant. Moi, j'ai vraiment eu la chance d'être à Berlin avec le film et d'avoir 5 représentations devant un public généreux, diversifié, jeunes et moins jeunes, c'était formidable. Et les réactions étaient très, très différentes les unes des autres. Honnêtement, il y avait des gens qui voyaient vraiment des comportements humains, qui se comparaient, qui s'identifiaient complètement à cette meute de chiens. Les gens, avec cette manière de filmer, ont aussi vu des parallèles avec le Black Friday, par exemple, cette folie furieuse de consommation, par exemple. Il y a des gens qui m'ont parlé de ça. Il y a des gens qui m'ont dit « Ah, oh, waouh, on dirait un opéra de Brecht. » Ok, super, fantastique. On me dit aussi parfois que une personne m'a parlé de ça et j'ai trouvé ça très beau. Le poème de Charles Bukowski, « Dog », et que j'adore. Pour moi, c'est un immense, immense, immense plaisir. C'est exactement pour ça que je fais du cinéma, pour que le film soit vu, partagé, discuté, débattu et aimé.